Build a steer initial slash so that ash the healer exit. Very simple. Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAKIN, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes sur Bridge Constructor Portal, un jeu qui vise à tester votre QI. Pas vraiment, mais en tout cas ça va y faire appel, puisque c'est une fusion tout simplement entre Bridge Constructor et la licence de Valve Portal pour vous tout simplement proposer un jeu où vous allez devoir réfléchir avec deux mécaniques différentes, construire des ponts et faire passer des transpalettes, des chariots élévateurs, des forklifts, des... je sais pas moi, tout ce que vous voulez comme nom. À travers ces fameux portails pour finir les niveaux sans atterrir dans des bacs d'acide, tués par des tourelles, explosés par divers portails ou encore laser. Ce genre de choses quoi. Tout ça avec les taunts de GLaDOS bien évidemment. Il n'y a plus qu'à y aller. Ça y est, je suis persuadé que ça fonctionne. Go! Tel quel, on y va. On passe le portail bleu, ça active le bouton. Le cube s'envole. Il tape la tourelle, il tape le cube. Et tout s'écrase. Très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce jeu est disponible et sur Steam et sur mobile et tablette de la même façon. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite à aller les checker si le jeu vous intéresse. Allons-y. Merci GLaDOS. Donc de ce fait, premier niveau qu'on peut voir ici, c'est le numéro 6 puisque je vous ai skip un petit peu le tuto. Vous n'aviez pas envie de voir le tuto, promis. Objectif, prendre nos petits chariots élévateurs qui sont ici et les faire arriver là. Le tout en appuyant sur un bouton, en passant par des portails et en évitant le bac d'acide. Comme je vous l'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. Ah ! Mais quel con ! Pourquoi c'est pas... Ah, c'est... j'ai oublié, attendez. Voilà. Oups. T'as vu comment ça tangue ? Non, c'est bon, ça va passer. Ça passe. Nickel, mesdames et messieurs. Ça passe. Le convoi, ça va s'écrouler. Le premier est passé. Alors, le convoi, j'y crois moyen. Je vous explique mon plan. Ça peut pas être plus simple. On passe par ce portail, on tombe en chute libre au-dessus des lasers, on renverse la tourelle et on prend la porte. À quel moment ça peut mal se passer? C'est la question que je vous pose. La deuxième question que je vous pose, c'est comment est-ce que je vais réussir à faire tenir ça, sachant qu'on ne peut bien évidemment pas build sur les lasers. Hein. Ça tiendra jamais. On peut négocier comme ça. Allons-y. Je teste même pas. Je go. Go for it, mon gars. Tant qu'on voit, ça devrait passer easy. Vas-y, chope la tourelle. Ça va le faire. Ça va bien se passer. Regarde, ils vont commencer à se retourner, à se pousser mutuellement. Ça va le faire. Ouais, vas-y, pousse. 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 Vas-y. Dans la montée. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, regardez. Vas-y. Enfin, c'est beaucoup trop facile. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop facile comme jeu. Tourelle, là, à l'instant qu'on a galéré, il y en a 4. 4 maintenant. On va tenter en rallongeant le tremplin. Go. J'ai rallongé le tremplin un tout petit peu. Ça passe pour l'aller, très smooth. Michael Bay! Est-ce que ça va passer au retour? Ça passe! Trop facile. Ce jeu est trop facile. Après, ça va devenir dur, on va pleurer. Et on se remet bien. Voilà. Non, mais je pense que ça va bien se passer. Enfin, je vois pas à quel moment ça pourrait déconner.
franchement, ça se passe exactement comme prévu. Regarde! À quel moment t'as cru que ça passerait pas? Easy. Alors ici, on doit passer par le portail bleu pour aller ici, activer le bouton qui va faire tomber ce cube-là, mais aussi ce cube-là. Ces cuves vont tout simplement, bam, il y en a un qui va ouvrir ce laser-là. L'autre va voler, faire tomber la tourelle, pendant que moi, je passe par ici, retomber là, prendre la porte. Ça peut que bien se passer. Allons-y. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour passer le truc rouge? Telle est la question. C'est la question à 200$ de ce soir. Voilà, quelque chose comme ça. Exactement, parfait. Bien évidemment, ça ne tiendra pas comme ça. On risque de vous surprendre. Là, ça passe ou pas? Ah! Non. Il faut vraiment pas qu'on bouge, par contre. Si on bouge, on est foutu. Ah, mais là, on va gêner la trajectoire. Ah non, ça passe à travers, ça, c'est bon. Ça rajoute juste du poids, c'était pas une bonne idée. Ok. Alors, des câbles. Pourquoi s'il veut pas? Bah, il voulait pas. Ok. Là, ça marche pas. Là, on bouge beaucoup moins. Donc, si je fais conduire. Parfait. Exactement ce qu'on voulait. Allons-y. Donc maintenant qu'on va là, on arrive ici, faut passer le pont de la Morteau là. Ok, une fois qu'on a passé le pont de la Morteau, faut faire un autre pont de la Morteau. Qui doit bien évidemment s'auto-soutenir. Voilà, exactement. Et après, faut qu'on se réceptionne ici et qu'on aille là. On ne peut plus simple, donc. Franchement, j'y crois à mort. Merci à Théo Boudry qui a une follow sur Twitch, bienvenue à toi. Voilà. Moi, je dis... Essayez, je suis persuadé que ça fonctionne. Go! Tel quel, on y va. On passe le portail bleu, ça active le bouton. Le cube s'envole. Il tape la tourelle, il tape le cube. Et tout s'écrase. Très bien. Alors, il semblerait que l'outro est crash, en fait. Le fichier est corrompu, du coup, je vous la refais maintenant. Je vous remercie une nouvelle fois toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne, sur Twitter et sur Snapchat. Hop, you like it.